Tout le monde sait que c'est une bonne idée de manger des aliments sains. Mais à quel point les aliments sont-ils capables d'influencer la santé? Dans quelle mesure peuvent-ils réellement prévenir les maladies? Quelques études nous ont apporté des réponses. Les chercheurs ont comparé des personnes qui suivaient des régimes sains et des régimes typiquement américains lors d'une grande étude américaine sur des adultes consciencieux de leur santé. On a constaté que les personnes qui suivaient des régimes américains typiques avaient un indice de masse corporelle moyen de 28,8 kg par mètre carré, c'est-à-dire qu'ils étaient en surpoids. Par contre, les participants qui suivaient un régime végétalien avaient un indice de masse corporelle moyen de 23,6. Les chercheurs ont constaté que plus les participants ne mangeaient pas de produits d'origine animale, plus il était mince. Les chercheurs de cette étude se sont également penchés sur le diabète. Avec le régime américain typique, le risque de diabète était de 7,6%. Par contre, pour les participants qui ne consommaient pas de produits d'origine animale, le risque était seulement de 2,9%. En ce qui concerne les maladies cardiaques, il semble qu'un régime alimentaire sain à base de plantes pourrait prévenir jusqu'à 90% des crises cardiaques. Pour le cancer, l'effet de la nourriture dépend du type de cancer. Il s'avère que les aliments influencent le risque des cancers du tube digestif, comme l'estomac, le pancréas, le côlon, et aussi les cancers des organes sensibles aux hormones, comme les seins et la prostate. Pour ces cancers, les chercheurs estiment qu'une alimentation saine à base de plantes pourrait réduire de moitié le taux de cancer. En résumé, un régime sain n'est pas une garantie absolue, mais il a un effet très puissant sur la santé.